Salut tout le monde, c'est Marlon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui me plaît particulièrement parce qu'il s'agit de la partie 3 des Donald Memories. Avant de commencer la vidéo, on m'a demandé en commentaire pourquoi en ce moment je tournais dans mon salon et plus dans mon décor habituel. C'est tout simplement, je sais pas si vous avez vu sur Instagram, j'ai mis une photo, mais mes étagères sont toutes écroulées, donc toutes mes figurines sont écroulées. J'ai eu un peu de casse, mais j'en suis bien sorti. J'ai pas encore tout refixé les étagères. Pour l'instant, donc c'est encore un peu le bazar, du coup je me mets là parce que c'est un fond assez neutre et du coup voilà. Dans cette vidéo, je vais vous montrer donc les peluches de Donald Memories de juillet, août et septembre. Elles sortent que maintenant, tout simplement parce que je les ai eues tard, je les ai eues un peu avant les fêtes de Noël et j'ai pas pu tourner pendant les fêtes de Noël. Du coup, bah voilà, c'est juste parce que je les avais pas encore. Avant de vous montrer les peluches, j'aimerais corriger quelque chose parce qu'un ami est venu chez moi, il a regardé les peluches et il a vu que sur l'étiquette, il y avait chaque mois un petit message positif pour la personne qui achète la peluche. Je m'en étais même pas rendu compte. Du coup, avant de commencer, je vais vous lire les 6 messages du coup des 6 premières peluches et je vous lirai les messages qui vont avec les peluches quand je montrerai les prochaines peluches. Donc les petits messages étaient sur les étiquettes. Donc pour janvier c'était écrit Good Prosperity, donc c'est les messages en anglais, donc ça veut dire grande prospérité, donc le petit message nous souhaitait donc de la bonne santé, que tout aille bien en gros. Pour février c'était écrit Good Fortune, donc c'est à dire qu'il nous souhaitait de la chance. Pour mars c'était écrit Happiness, donc là il nous souhaitait du bonheur. Avril c'était écrit A Blossoming Romance, donc qui signifie une romance fleurissante, en gros il nous souhaitait de tomber amoureux. En mai on reste dans l'amour parce qu'il était écrit Lot of Love, donc beaucoup d'amour, donc j'imagine que là c'est l'amour de la famille etc, parce qu'on a déjà eu l'amour d'un couple le mois d'avant. Et enfin en juin c'était tout simplement écrit Happy Birthday Donald, puisque c'est le mois où est né Donald. Alors on commence tout de suite avec la peluche de juillet, donc elle est comme ça, toute jaune, on dirait un poussin. Donc le petit Donald il est comme ça avec une petite bouée dans la main, des petites espèces de fleurs de palmier etc, sur tout le décor, sur le béret, toujours des vrais boutons, donc bonne qualité. Son petit nœud pape, donc jaune aux yeux bleus, donc vous voyez c'est bien la 7/12. Du coup son message là c'est Delightful Vacation, donc des délicieuses vacances, donc c'est logique puisque c'est juillet. Donc la peluche est vraiment, je trouve, vraiment stylée. Donc ça change d'un Donald jaune, comme ça on n'a pas l'habitude de le voir. Du coup elle est ultra cool. On passe à août, elle aussi elle est super belle. Donc je dis à toutes les peluches qu'elles sont super belles, mais elles sont vraiment super belles, c'est une super collection. Août, il est tout bleu comme ça, avec en espèce de matière de kawé. Du coup, avec son petit nœud pape arc-en-ciel, son parapluie arc-en-ciel. Donc en gros, il pleut, il y a des arc-en-ciel. Donc à mon avis, il pleut en Chine en août, parce que chaque mois a un rapport. Et du coup le message, donc 8/12, et le message c'est Sunshine after the rain, du coup le soleil viendra après la pluie. Donc encore une peluche super stylée, je vous montre la petite étiquette, donc Donald Memories sous le pied toujours, je vous la montre de plus près, très très cool. Et c'est quoi qu'il y a dessus? Oui, c'est des gouttes d'eau, il y a plein de petites gouttes d'eau sur le visage, parce que chaque Donald en fait a un petit motif. Sauf juillet, donc il n'y avait aucun motif, il était rose uni. La tête d'autre, il n'y avait aucun motif, mais bon, la plupart ont des petits motifs, lui c'est des petites gouttes. Petit aparté, donc vous avez dû remarquer que j'ai un pull Donald pour la vidéo, donc logique. Et je vais vous raconter un peu l'histoire de ce pull. Je suis allé à Londres pour le nouvel an et je suis passé dans une friperie qui s'appelle Rockit. J'avais pas prévu d'acheter quelque chose, mais quand j'ai vu ce pull, du coup, je me suis dit, il m'appelle, il est pour moi. Et donc après l'avoir acheté, je me suis renseigné du coup ce que ça voulait dire. Il y a écrit Oregon Ducks avec un petit Donald donc, habillé en vert, je vous le montre de plus près, avec un petit O ici. Et en fait, il s'agit d'un pull d'une équipe sportive universitaire, donc dans l'Oregon. Donc l'Oregon, c'est au nord-ouest, du coup, tout à l'ouest des États-Unis. Et donc, cette équipe masculine de football américain a pour mascotte Donald. Je vais vous mettre une petite photo ici. Et c'est donc tout simplement le pull de l'équipe. Donc, il a voyagé des États-Unis à l'Angleterre pour finir ici. Donc, il m'était destiné. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que, après la peluche de septembre, j'ai une peluche surprise à vous montrer. Donc, elle est ultra belle. Donc, il ne faut pas la rater. Donc nouveau mois, nouveau thème pour septembre, et c'est logique pour septembre puisque c'est la rentrée scolaire. Donc c'est ce petit Donald là, encore très très mignon. Hop, les becs, faut un petit peu les remettre parce qu'il voyage dans les cartons. Mais du coup, Donald comme ça, si vous voyez bien en fait, son corps est une feuille A4, enfin un papier à carreaux. C'est super stylé, c'est bien pensé. Et il a des petits Donald de partout sur le béret, etc. Donc son petit macaron Donald Memories, le 9/12. Et sa phrase du coup c'est... Academic success, donc réussite scolaire, donc logique. Et il tient dans la main du coup un petit notebook, je crois que c'est écrit notebook. Voilà, un petit notebook avec Donald dessus. On peut pas l'ouvrir, mais on voit qu'il y a des pages dedans. Donc super mignon, c'est Donald donc qui va faire sa rentrée scolaire. Et donc on va finir avec la peluche surprise. Il s'agit de la seule peluche sortie en France. L'année dernière, on avait eu tous les Mickey Memories. Cette année, on n'a pas eu les Donald Memories sortis en Chine. Mais ils ont quand même sorti une peluche en juin pour les 85 ans de Donald. Ultra belle, donc je pouvais pas passer à côté. En plus, c'est la seule qui est sortie en France, donc je la montre tout de suite. Donc elle est comme ça, elle ressemble pas aux autres peluches, mais elle est ultra, ultra stylée. Donc c'est Donald en noir et blanc, mais avec son aspect donc des premières années de Donald. Donc avec son long bec, il avait un ultra long bec. Du coup, super cool. La petite étiquette 85 ans Donald Duck. Et dedans, je crois qu'on a Donald, c'est ça. C'est ça. Donc Donald.
Donc elle coûtait celle-là 28 euros, 38 euros. Donc je sais pas si on verra à la caméra, mais son béret, son nœud et sa petite tenue sont en espèce de velours. Et ça, c'est en espèce de faux cuir, simili-cuir. Donc c'est ultra cool. Elle a quand même du coup le petit fanion donc en dessous qui dit que c'est pour les 85 ans Donald. Donc ça se prouve que c'est la même collection. Donc ça sera tout pour cette troisième et avant-dernière vidéo sur les Donald Memories. Dites-moi en commentaire quelle peluche vous avez préférée sur les 4 de cette vidéo. Je pense que moi sur cette vidéo j'ai préféré celle, donc l'exclusivité française. Je suis vraiment content d'avoir cette collection parce que étant fan de Donald, je pouvais pas passer à côté. Donc encore merci l'INSEE si tu passes par là parce que c'est grâce à toi que je peux avoir toutes ces peluches. Donc la prochaine vidéo avec les peluches de octobre, novembre et décembre sortira bientôt. Vous verrez, pour novembre ils ont fait un truc spécial, c'est super cool. Dans cette vidéo il y aura encore une peluche surprise et donc j'attends cette peluche avant de pouvoir tourner la dernière vidéo. Mais dès que j'ai la peluche, je vous la tourne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo si vous aimez Donald ou si vous aimez simplement les peluches que je vous ai présentées. Et bien sûr, abonnez-vous si la chaîne vous plaît en général. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.